Le Brexit est-il la fin de l'Union européenne ? Non, je ne pense pas. Non, l'Europe restera soudée. Le Brexit est-il une opportunité de reconstruire des structures ? Oui, je pense que ça serait utile. Je ne sais absolument pas, je ne suis pas renseignée sur le sujet. Et de développer un nouveau sens de la communauté. Oui, ça peut renforcer les liens entre les pays. Je ne sais pas. Et créer de nouveaux échanges, jumelages. Donc le Brexit est-il la fin de l'Union européenne ? C'est une réponse oui, non, ou il faut argumenter. Le Brexit n'est pas la fin de l'Union européenne, par contre c'est une difficulté dans l'Union européenne et dans sa stabilité. Le Brexit est-il la fin de l'UE ? Est-il ? Est-il la fin de l'UE ? C'est à souhaiter que non. Je pense que le fait que l'Angleterre ne veuille plus faire partie de l'Europe, j'espère que ce n'est pas le prélude à une dissolution complète de l'Union. Ce serait dommage parce que c'est effectivement un gage de stabilité d'avoir des pays intégrés au sein d'une même entité. Donc c'est à espérer que non en tout cas. Une opportunité de reconstruire des structures. Le Brexit ? Est-ce que le Brexit est une opportunité ? Ben oui, je pense que c'est peut-être pour les pays d'Europe actuels un signal fort à prendre en considération pour éviter justement qu'il y ait une hémorragie de pays qui veuillent quitter l'Union européenne. Et je pense que c'est l'occasion pour l'Europe, dans sa globalité, de se remettre en question sur la manière de la gouverner et de faire en sorte que les populations aient une vision de l'Europe qui soit la plus positive possible. Comment on peut développer un nouveau sens de la communauté ? Comment on peut développer un nouveau sens de la communauté ? Peut-être justement en essayant de rendre l'Europe la plus concrète possible et de mettre en évidence en quoi l'Europe touche le quotidien des personnes de la manière la plus simple possible. Je pense qu'il faut, si on veut que l'Europe soit palpable pour tout citoyen, il faut que des actions concrètes puissent être envisagées quoi, et surtout valorisées. Alors, qu'est-ce que le Brexit pour toi ? Le Brexit, si c'est un Brexit dur, on va être obligé de changer notre façon de travailler, c'est-à-dire s'ils nous mettent des taxes par rapport aux produits qu'on exporte en France, donc on va avoir des taxes sur les produits laitiers. S'ils les taxent pas, ça va rien nous changer. C'est juste après la douane, parce qu'après il y aura des passages en douane. Donc les passages en douane, ça il faudra. Nous on fait déjà des déclarations de douane tous les mois, mais après il faudra les faire à chaque passage. D'accord. Chaque passage que tu fais, il faudra faire une déclaration en douane. Alors que maintenant on le fait pas. Non, tu fais pas, oui. D'accord. On fait qu'en fin de mois, on fait une déclaration de tout ce qu'on a passé. D'accord. Et puis voilà, si c'est un Brexit dur, ça va être ça. Et si c'est un Brexit dur avec et qui taxe les produits laitiers, tout ce qui est produits français, donc là, s'ils mettent 15% dessus, il faut augmenter tes prix de 15%. Après, t'es pas sûr de vendre. Oui, parce que les clients, après, donc voilà. Les clients, si t'augmentes de 15% ton camembert, par exemple, s'ils n'ont plus d'argent pour acheter, ils ne pourront pas, quoi. D'accord, ok. Donc pour l'instant, pour nous, c'est un petit stress quand même quoi. Tu fais pas d'investissement, tu t'attends que ça arrive parce que là c'était repoussé, c'était au mois de mars, c'était repoussé au mois d'octobre, le 31 octobre. Oui. Donc là
On ne sait pas comment on va faire. On va attendre le 31 octobre, mais je pense qu'il va y avoir du changement encore avant le 31 octobre. Oui. Qui vont éventuellement repousser ou voilà quoi. Ou, voilà. On d'accord. Saura plus cela. Oui, pareil. Donc voilà. Après, je sais pas, tu veux que je te dise autre chose? Non, ça va, c'est bon, merci. Bonjour, je m'appelle Héloïse Faucon, j'ai 16 ans, je passe en terminale et je suis française. Donc j'ai quelques questions à te poser sur le Brexit. Donc déjà, si je te dis Brexit, tu penses à quoi? Je pense à la sortie du Royaume-Uni et de l'Union Européenne. Et justement, est-ce que tu penses que ce Brexit, c'est la fin de l'Union Européenne? Je pense que c'est pas la fin de l'Union Européenne parce que justement, le Royaume-Uni, c'est un grand pays et s'il sort de l'Union Européenne, ça va servir de mauvais exemple et donc les pays vont se solidifier. Et est-ce que tu penses que ça va permettre à l'Union Européenne de reconstruire des nouvelles structures, par exemple des parlements, des musées, enfin, est-ce que ça va aider l'Union Européenne financièrement? Je pense que ça va permettre, enfin on va pouvoir construire des structures parlementaires, mais la Banque de l'Union Européenne avait un très petit impact sur le Royaume-Uni, donc ça a aidé très peu financièrement. À Ouistreham, le rétablissement des contrôles aux frontières avec le Royaume-Uni, c'est un dossier sur lequel les ports de Normandie travaillent depuis plus d'un an. La première phase va consister plutôt à faire des aubettes et des bungalows, de façon à ce que les douaniers puissent être abrités. Ces structures pour accueillir les contrôles douaniers phytosanitaires pour les marchandises et les personnes sont censées être opérationnelles au 1er avril. À terme, c'est la physionomie de la ville aux abords du port qui va s'industrialiser. L'ensemble des terrains qui se trouvent entre la gare maritime et les manèges et la halle aux poissons, donc des choses qui parlent à beaucoup de gens qui fréquentent la ville, ce qui représente 3 hectares, vont repasser en zone internationale portuaire. C'est-à-dire que ce seront des parkings qui permettront de stocker l'ensemble des poids lourds, des véhicules légers qui arriveront d'Angleterre ou partiront vers l'Angleterre pour pouvoir mettre en place les contrôles douaniers. Le but, c'est de faire en sorte que l'on puisse avoir suffisamment d'espace pour mener tous les contrôles. Si en revanche, nous n'avons pas suffisamment de contrôle et la possibilité de les faire, c'est demain non plus 3 quarts d'heure pour embarquer, mais 1h30, donc 3 heures à chaque ferry entre le moment où les gens désembarquent et embarquent, ce qui veut dire que l'on pourrait passer de 3 ferries à 2 ferries si nous ne sommes pas en capacité de résoudre ce problème, et donc derrière évidemment tout un pan de l'économie locale qui là pour le coup serait plutôt négative. L'incertitude est de l'autre côté de la Manche. À Ouistreham, comme dans les autres ports normands, on se prépare à tous les scénarios.